mes fans, mes parents, mes frères et sœurs. J'espère que tout va bien. Patazé, patazé. La guerrière de la forêt est là. Elle ne se fatigue pas. Tant que le pays là, nous on est sous la terre là, le pays là, c'est pour nous tous. On va, c'est ça que les soussous disent. On a farafansi mané ha rayala. La Guinée est en ayala mané. Que vous voulez ou pas, ça va s'arranger. On ne peut pas vivre dans l'obscurité comme ça là. On ne peut pas vivre dans le mensonge. On ne peut pas continuer à vivre dans la pauvreté comme ça là. C'est-à-dire, quand d'autres veulent arranger, il y a les sorciers là qui sont là. Ils ne peuvent pas arranger. Ils ne veulent pas encore donner à les gens. Ils ne veulent pas encore laisser à les gens qui peuvent arranger le pays. Ça, c'est quel comportement ça? Hein? Ça, c'est quel comportement ça? Ce que tu ne peux pas faire, laisse les autres faire ça pour qu'au moins tu en bénéfices. Tes enfants et tes petits-enfants là vont en bénéficier. Mais ce que tu ne peux pas faire, tu ne veux pas encore laisser les autres faire ça. Ah, bon. Ça, je ne sais même pas. Les personnes comme ça, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment les qualifier. Alpha Condé et ce gouvernement-là, on ne sait même pas comment vous qualifier maintenant. Parce que même les animaux-là, ils se organisent bien. Même les animaux qui sont en brousse là, leur terrain où ils vivent là, ils savent, ils connaissent comment prendre soin de là-bas. Parce que même quand tu pars les voir en brousse là, la partie où tu les trouves en train de se reposer là, quand tu vois là-bas, tu connais au moins comment ils se organisent là-bas. Mais vous, votre groupe là, c'est-à-dire, on vous a parlé, mais on ne sait même pas comment vous mettre maintenant. Parce que même les animaux, je dis même les animaux, ils sont plus mieux que vous. Pour vous, n'est pas méchanceté maintenant. Ça dépasse la méchanceté. Ça dépasse la sorcellerie. Parce que vous êtes là, c'est pour mentir seulement. Mentir seulement. Depuis que vous avez. Comment dirais-je? Vous avez détourné le troisième mandat là pour faire votre autrement de gouvernement là. Gouverner autrement là. C'est-à-dire, enlever quelque chose dans son chemin, mettre dans un chemin qui n'a pas de sens. Dans un chemin que vous-même, le chemin que vous avez pris là, ça vous traumatise. Le chemin que vous avez pris là, vous ne connaissez même pas là où partir. C'est-à-dire, vous avez pris un chemin que c'est devenu trop vaste pour vous. Mais vous êtes dedans seulement. Au lieu de prendre la route normale, et c'est de la route là qui peut vous sauver. Vous ne voulez pas prendre la route là. Et la route que vous avez décidé de prendre là, vous êtes sous là-dessus, on ne comprend rien. Ça veut dire quoi? Déjà, vous avez fait 10 ans. On n'a rien compris. Depuis que vous avez fait votre autrement là, on ne comprend rien aussi. Rien! C'est seulement donner l'argent à des pauvres familles et aussi ils vont partir s'asseoir, préparer quelques mots comme ça là,
Même quand tu regardes dans les journaux, tu ne comprends rien. C'est des mots fabriqués seulement. Ils vont venir s'asseoir ici, donner aussi à leurs parents. La vie où on est aujourd'hui là, marchons sur la vérité. C'est-à-dire, mettez dans vos têtes que le pays là nous appartient. Le pays là, on doit arrêter de faire certaines choses pour que ça change. La famille, partagez. Si vous avez vu que j'ai retardé live là, je voulais faire live là depuis 17h ici. Mais je me suis dit que j'ai dit pendant où les sorciers là sont dans leur cour là-bas là. Parce qu'ils ne dorment pas. C'est pendant où vous êtes là à dormir que et ils sortent pour faire leurs problèmes mélangés là. Moi aussi, je viens sur Facebook là pour les attraper avec leurs menteurs qui sont là, là, venir nous, les menteurs qui viennent nous déranger sur Facebook là. Nous aussi, on est là pour les piquer avec nos paroles là. Parce qu'il y a des paroles là. Quand nous on dit, ça tape fort. Parce que nous, on est sur le chemin de Dieu. Nous, on parle la vérité. Nous, on n'est pas là pour parler de n'importe quoi. Parce qu'on aime la Guinée. On veut que ça change. On veut que ça change. La famille, vous-même, allez-y sur TikTok. TikTok, là, il y a des bêtises dedans. Hein? Mais des fois, quand tu regardes bien, là où moi je vis ici, là, les Américains font leur rôle. Il y a les danses qu'ils font. Nous aussi, là-bas, on fait notre tradition pour les montrer. Chaque pays montre sa capacité, sa culture sur TikTok. Il y a les bêtises dedans. Mais des fois, quand tu regardes, il y a concurrence du pays, des choses au pays qui se passent dedans. Vous me voyez comme ça, là. Ce n'est pas n'importe quoi que moi, je regarde. Quand je regarde les choses, là, c'est des choses importantes que moi, je prends dedans. Ce qui donne, ce qui ouvre la tête, là. Moi, je ne regarde pas les choses bizarres, bizarres comme ça, là. Peut-être ce qui fait rire là, les comédies là, je peux prendre ça. Mais quand tu regardes TikTok, des fois il y a les comparaisons. Et le monde est en train d'évoluer comme ça là. Un jour va arriver. Maintenant, ça va arriver maintenant que chaque pays est là maintenant à montrer tel étage, tel carrefour, comment ils ont organisé, ils ont fait. Vous-même regardez au Sénégal, leurs monuments qui est là-bas, là. Les gens qui sont ici, là, pour aller voir ça. Si ce n'est pas notre monument qui est là-bas, là, qu'on ne prend même pas soin de ça, là. Hein? Dites-moi, c'est quelque chose qui est chez nous là-bas et que les gens peuvent quitter ici, là, pour aller visiter là-bas. On n'a pas ça. Un jour va arriver quand les gens sont là maintenant à montrer les pays qui sont bien construits. C'est en ce moment, nous les Guinéens, même ici, même maintenant là, ça a commencé, mais ce n'est pas devenu trop d'abord. Peut-être le moment réel va venir. C'est en ce moment où on va s'asseoir maintenant pour dire que, ah, déjà, on a fait ça. Nous, on est là aujourd'hui à parler. Vous pensez qu'on n'a pas de travail. C'est demain que nous, on calcule. Parce qu'il y a certaines choses là. Tu dois calculer demain dedans. C'est bon de vivre les choses d'aujourd'hui. Mais il y a certaines choses. Ça se prépare. On prépare demain. Donc le jour là va venir où les Guinéens vont envoyer leur tête. Le pays n'est pas construit. Vous êtes là-bas à voler l'argent seulement.
à mentir au lieu de faire un bon boulot. Vous êtes là-bas, les militaires vous suivent. Vous avez l'argent à donner à les militaires pour dire que s'il y a ça, vous allez sortir, les déranger. Mais quand on vous met dans vos places là et que vous faites vos bêtises là, pourquoi les militaires ne viennent pas vous prendre? Quand on vous donne les places là et que vous prenez l'argent pour faire du n'importe quoi, moi je te donne un travail de faire pour la population. Tu ne fais pas, je t'enlève rapidement. Parce que quelqu'un qui ne peut pas travailler son pays, tu ne dois pas approcher cette personne-là à côté de toi. On n'a qu'à se dire la vérité. Même si les Blancs, on dit que les Blancs nous colonisent là. Mais les Blancs n'ont pas dit qu'il ne faut pas qu'on travaille notre pays aussi. On doit rendre le pays encore joli. Mais la manière dont la Guinée est, même si tu prends un projet ici là et qu'on te suit pour partir chez toi là-bas, tu as même honte. Tu as même honte. Parce que les gens qui vont te suivre là pour partir et ils vivent bien, dans leur pays là, il y a tout. Maintenant, toi, c'est toi, on va cesser nouveau groupe pour venir allumer. Vont comme ça là. Même si tu les fais rentrer dans villa complet comme ça là, où est le courant? Où est l'eau même? Les gens ont construit les immeubles là-bas. Il n'y a même pas pompe. Il n'y a même pas pompe dans les choses, comment dirais-je, dans les chambres, dans les douches. Il faut comprendre d'abord les anciennes choses là que, hein, les autres ont oublié même ça. Nous, on utilise ça jusqu'à présent, c'est nous. Ça, ça ne vous donne pas la honte. Vous, les vieux médecins comme ça, là. Et vous êtes dans vol là-bas pour venir prendre vos médicaments ici, là. Quand on vous loge dans les hôtels ici, là. Tout est neuf chez eux. On dirait que vous êtes aveugle. Même si tu n'aimes pas ton pays. Mais il faut laisser le travail à les bonnes personnes de faire. Vous êtes flanqué là-bas. On vous insulte matin, midi, soir. Au lieu même de changer, vous ne faites même pas ça. C'est-à-dire, on dirait que les moutons, même les moutons sont bien même, parce que quand ils regroupent les moutons par là, là, ils vont rester là-bas jusqu'à ce que tu vas les repousser encore. Même eux, ils sont plus mieux que vous. Même si on dit que vous n'avez pas de cerveau, mais ce que nous, on vous dit là, on peut vous guider même. Nos paroles qu'on donne sur Facebook là même, ça peut vous changer au moins de faire un bon travail au pays. Pour qu'au moins, on voit que vous avez, depuis que vous avez pris le pouvoir là, ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? Nous, on est là à vous parler seulement. Même nos paroles là pouvaient vous changer au moins. On allait vous donner la paix du cœur. Parce que nous tous, on veut quelque chose de bien. Mais on ne vous voit même pas faire quelque chose de bien. C'est pour aller donner l'argent à certaines femmes. Et aussi, ils vont venir faire comme s'ils balaient, nettoyer la chose. Et Papa Koli, c'est lui qui est le chef de ça là, ce nettoyage là. Quelqu'un qui veut faire un bon travail. Pour les militaires là, Alpha a mis combien de véhicules? Il a commandé combien de véhicules et choses? Comment on appelle même les véhicules là? Je ne connais même pas le nom de ça. Au moment où ils ont volé le pouvoir de mon président, là, ils n'ont pas fait sortir les voitures plus de combien sur la route pour qu'on puisse voir. Ça, c'était pour les militaires. Pourquoi tu ne peux pas payer les voitures comme ça là pour ramasser les ordures? Il y a des machines ici là.
C'est ça qui passe ici pour. On met l'ordure dedans. Ces machines qui est dedans, ça écrase comme ça là. On a l'argent pour ça. Beaucoup d'argent que vous voulez là pour venir vous pousser ici là. Ça là, ça peut payer combien de camions de ça? C'est pas Conakry seulement. Quand on dit la Guinée là, c'est pas Conakry. C'est Conakry jusqu'à Lola. Donc, vous qui sortez là pour dire que oh, Papa Coli est là, c'est lui le chose, on va, on a ignoré ça, on a assainé qui. Quand on dit nettoyage là, nous on connaît le vrai nettoyage. Ce n'est pas seulement devant les petits bureaux là, là où les choses, comment dirais-je, les gens regardent beaucoup là que vous allez partir nettoyer là-bas. Et pourtant, Madina et Matoto là, quand ils voient vers là-bas, là, jusqu'à Bonfin, jusqu'à. Il faut partir voir. Nous, on ne veut pas semblant dans les choses. Nous, on ne veut pas beaucoup de paroles. Quelqu'un qui veut faire un bon travail, il ne parle même pas. Il ne parle même pas. C'est-à-dire, ça s'organise. Et puis ça commence, les gens même vont vous voir en train de faire. Mais quelqu'un qui vient parler, je vais faire ça, je vais dire ça là, il va rien faire. Rien de tout. Mon bras Takanakui, on est fatigué de ça. Quittez là-bas, vous ne pouvez rien faire. Votre temps là est fini. Libérer nos pauvres parents qui sont en prison là, et vous allez quitter pour que le pays là, nous les jeunes là, on va venir faire ce qu'on veut, on peut. Ce qu'on peut. Chaque jour, nos frères et nos sœurs quittent au pays. Combien de personnes, certaines personnes veulent venir rester dans la mer. Parce que il y a souffrance là, il y a certaines souffrances là, quand ça te frappe dans la vie là, hey, tu appelles même la mort de venir te prendre. C'est-à-dire, tu dis, tu préfères même mourir que vivre dans cette misère là, la famille. Il faut être à la place de certaines personnes pour comprendre ce qui veut dire la souffrance. Ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui comprennent ça. Sauf les gens qui ont le cœur de Dieu. Parce que les gens qui sont avec Dieu là, c'est eux qui comprennent les choses bien. Mais les gens qui n'ont pas Dieu dans leur cœur là, et ils s'en foutent. Ils ne calculent même pas loin. C'est-à-dire certaines choses même, ça ne les regarde même pas. C'est leur intérêt seulement qui les regarde. Il faut être à la place de certaines situations pour bien comprendre. Il y a des souffrances là. Vous pensez que les gens qui sortent comme ça là pour venir rester dans la mer, c'est-à-dire quand ils décident de faire quelque chose, tu ne sais pas ce qui va arriver devant. C'est le cœur. D'autres rentrent dans le bateau là. Si tu les demandes quels mots ils ont dit avant de rentrer bateau là, tu vas comprendre. C'est la douleur, ça fait mal. Et avec ça, les chiens là sont là-bas. Les malhonnêtes là sont là-bas. Ils voient tout ça là, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Vous pensez que c'est vous seulement qui pouvez faire enfant? Maintenant, Premier ministre là, j'avais dit encore dans l'autre vidéo. Ta fille est partie. Toi-même, tu as vu que la mort, là. Tu sais, quand tu vois la mort dans les maisons des autres, là, tu comprends pas.
C'est quand ça va rentrer dans ta maison que, c'est-à-dire quelqu'un même que vous êtes comme ça là, chaque jour. C'est quand tu perds l'intéressé que tu vas dire maintenant, il y a la mort là, je vois, c'est les autres, je ne comprenais pas. C'est quand ça rentre dans ta maison que tu vas comprendre. Et vous êtes là à tuer les enfants des autres. Vous êtes là à maltraiter les enfants des autres. Ça fait mal. Ça fait mal. Démissionner, là. Nous, on est fatigués de ça. Nous, on veut que vous allez. On ne veut même pas vous voir. On quitte là-bas. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire. Résolvez ça avec votre frère et puis nous, on avance. Pour que le pays là change. Vous êtes là-bas, on ne comprend rien. Rien. Sauf fabriquer ça que jouent les mots pour mentir seulement à la pauvre population. Le pays n'est fait que pourri. Pourri. L'eau est rentrée partout. Partout. Guéguédou, Sigiri, Conakry, quand il pleut, l'eau rentre partout. La famille, on ne peut pas tout expliquer. Je vais m'arrêter ici. Sauf les conscients qui comprennent. Mais tout ce que je peux vous dire, il faut qu'on change. Les faux là sont là-bas pour qu'on puisse apprendre beaucoup de choses pour ne pas qu'on suive leur chemin. Pour que leur groupe là, quand ils partent là, ils partent avec tout. Tout. Le groupe qui va venir là, c'est pour nettoyer. Nettoyer proprement. Ah, je prie Dieu que Dieu me donne longue vie pour que le groupe là part devant moi. Maintenant, l'autre groupe qui va venir là, c'est pour nettoyer la Guinée. C'est pour nettoyer nous-mêmes. On va aider notre président à nettoyer. On va l'aider à nettoyer. C'est pas la méchanceté de, mais la loi qui sera maître là. Tu veux pas, tu vas masser sous ça. Nous, on ne serait pas là pour parler trop. Parler trop, non. Y a pas beaucoup de paroles dans ça. C'est-à-dire ça, on va nettoyer la population. Même nous aussi, nos défauts sont dedans. Mais attendez d'abord, parce que quand en haut, là, c'est pourri complètement, là, il faut qu'on enlève ça d'abord. Quand on va enlever ça, maintenant, nous, les populations, là, nous-mêmes, on va encore se dire la vérité, comment changer, c'est-à-dire comment mettre les choses à la place. C'est ça fait mal. Mais il faut ça pour que le pays bouge aussi. Mais attendez d'abord, on va enlever les pourris là, les choses pourries qui sont devant nous là. On va les battre jusqu'à ils vont partir. Ils vont même pas rester en Guinée. Peut-être ils vont partir s'asseoir dans les autres pays là, mais pas en Guinée. Parce que nous, notre combat là, ça continue. On va les suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous êtes là à nous regarder, matin, midi, soir. Notre combat là, c'est sur la vérité. On ne veut plus le mensonge. Nous-mêmes, on est là, là, on travaille matin, midi, soir, on ne voit même pas l'argent. Tout ça, là, ça va au pays. Si au moins il y avait beaucoup d'emplois au pays, là, nous, on allait bien vivre aussi encore plus que ça. Mais quand la souffrance est trop au pays, tu préfères garder la faim pour aider la famille. Tu préfères laisser certaines choses pour aider la famille. Certaines personnes souffrent ici pour envoyer au pays.
Et vous êtes là-bas, vous ne faites rien. Rien de tout. Donnez le pouvoir là à mon président. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que nous, on va vous dire matin, midi, soir. Parce que la route que vous avez prise là, c'est devenu grand pour toi, pour vous. C'est devenu grand pour vous. Donc la seule route qui est là-bas, qui peut vous sauver là, c'est la route de mon président. Parce que tant que lui a l'enfant de Dieu, on ne blague pas avec ça. Tu blagues avec l'enfant de Dieu. Tu vas voir Dieu devant toi. Donc ce qui est la vérité là, allez-y voir mon président. Vous allez communiquer comme frères, comme des frères pour notre pays. Parce que votre route que vous avez prise là, on ne comprend rien. Rien dedans, rien de tout. Rien de tout. Donc, nous, on est là à vous parler chaque jour. Allez-y voir mon président, Selou Dalin, pour que tout s'arrange, pour que les pauvre population arrête de souffrir. Parce que si vous avez moyen aujourd'hui pour éliminer mon président là, vous allez faire. Mais ce n'est pas tous les enfants de Dieu qu'on élimine. Ce n'est pas tous les enfants. Votre plan que vous avez fait, ah, maintenant vous êtes au carrefour. La route que vous avez pris là, vous êtes venu dans un carrefour où il n'y a plus de route, sauf la route de mon président. Donc, Maloya Tabo, Slanya Tabo, allez-y là-bas pour que le pays la change. Pour qu'on voit demain. Donc c'est ça qui est la vérité. La seule route qui peut vous sauver là. Le cœur là, même si ça monte, mais quand Dieu rentre dedans là, ça descend. Donc, Fili Mangbelere, Kosse dit le Kagbelen, Aye Kosse, Ambeye Gedikelen dit. La Guinée-Ka, Beye Gedikelen. Ambe, Abafo la Guinée-Ka, Bele, Soso Kote, Manika Kote, Fula Kote, Kisi Kote, la Guinée-Ye, la Guinée-Ka, Bele Tadi. Donc, Fanye Ben. Il faut qu'on se donne la main pour vivre ensemble. On est déjà, Dieu nous a déjà mis ensemble. On ne peut pas se séparer. C'est un pays où nous tous, ça nous appartient. Donc, vous, ce que Dieu n'a pas séparé là, c'est vous qui voulez séparer ça. Vous ne pouvez pas. Dieu a fini de nous mettre ensemble. Il faut qu'on vive comme ça. Comme frères et sœurs. Donc, la seule solution, c'est de se donner la main comme ça et travailler notre pays. Et créer des bonnes choses. Faire des bons travaux pour que les gens aussi quittent chez eux pour venir visiter chez nous. Voir des choses chez nous. Aller dire que, oh, la Guinée, quand tu pars en Guinée, surtout leurs choses là, ils ont bien fait ça. Hey! Ça a grandi l'homme. Parce que quand tu attends ton pays, quand tu attends le nom de ton pays dans quelqu'un, dans la bouche de quelqu'un qui dit, oh, j'aime cette chose-là en Guinée. Oh non, vous avez... ça a grandi l'homme. C'est les mots comme ça là qui sont bons. Mais à la Guinée, ils n'ont même pas de courant là-bas. Si tu vois les routes, non, ça fait honte. On est trop belles pour ça. Les jolies femmes là, ça vient en Guinée. Si tu vois les jeunes de la Guinée, ah non. Allez-y sur TikTok. Vous qui sont TikTok là, arrêtez de regarder les bêtises là. Regardez bien les choses réelles. Quand les filles guinéennes sortent là, tu restes tranquille. Quand les hommes aussi sortent, ah non. Donc on est belles comme ça là, là où on vient. C'est comme ça là. Je m'arrête ici, la famille. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous aide pour que les sataniques qui sont au pays là,
leur cerveau là, que Dieu vient en aide pour que ça change et qu'on avance pour changer certaines choses. Donc la voix de Québec ce soir là, c'était ça. Je m'arrête ici. Ça finit pas. Ça finit pas. Moi, je suis une vieille femme. Une vieille femme. Elisabeth, je vous ai dit mon nom, c'est Elisabeth Kébé Gilavogui. Et les gens qui viennent disent Kébé là. Allez-y, demandez les Thomas. Qui veut dire Kébé? Ils vont vous expliquer. Donc, mon nom Kébé là, c'est un nom qui est très grand chez nous. Donc, c'est ça. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Je suis de cœur avec vous. On est ensemble.